J'ai écrit ici quelques exemples de relations entre deux variables. Ici, m et n, ici on a a et b, x et y, etc. Et ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de déterminer pour chacun de ces exercices si les deux variables sont proportionnelles, inversement proportionnelles, ou ni l'un ni l'autre. Pour commencer, on a m sur n est égal à 1 sur 7. Comment est-ce qu'on peut manipuler ça On peut d'abord multiplier de chaque côté par n parce que de manière générale ce qu'on veut faire c'est séparer les deux variables de façon à en avoir une de chaque côté de l'équation soit sous la forme m est égal à k une constante fois n si m et n sont proportionnels soit sous la forme m est égal à encore k une constante fois cette fois 1 sur n si m et n sont inversement proportionnels. Et dans les deux cas, tu vois bien que les variables m et n sont chacune d'un côté de l'équation. Donc, quand on multiplie de chaque côté ici par n, qu'est-ce qu'on obtient Alors ça, ça disparaît. On obtient m est égal à 1 sur 7 fois n. Et là, on a quelque chose de cette formule-là. Hein. On a m qui est égal à une constante. 1 sur 7, fois n, ça veut dire que m et n sont proportionnels. Les variables m et n sont proportionnelles. Ensuite, on a a fois b est égal à moins 3. Pour séparer a et b, on va diviser de chaque côté par a, ou b d'ailleurs, hein, ça n'a pas d'importance. Alors, on va faire ça, disons, avec a, donc on divise de chaque côté par a, et on obtient B est égal à moins 3 sur A, ou encore, et c'est la même chose, moins 3 fois 1 sur A. Donc ici, on a cette forme-là. Hein. M, une variable, donc ici on a B1, est égal à K, une constante. Notre constante ici, c'est moins 3 fois 1 sur l'autre variable, ici 1 sur A. Donc A et B sont inversement proportionnels. Je vais juste écrire inverse c'est plus rapide. Ensuite, on a x fois y est égal à 1 sur 10. Même chose, on essaye de séparer x et y en faisant passer x ou y de l'autre côté de l'équation. Pour ça, on divise de chaque côté par x, hein, mais on pourrait aussi diviser par y, hein, puisqu'on a vu dans la vidéo précédente que x est proportionnel à y, c'est la même chose que y est proportionnel à x, et pareil avec la proportionnalité inverse, x est inversement proportionnel à y, c'est la même chose que y est inversement proportionnel à x. Donc, on a dit, on divise de chaque côté par x, ça nous donne... Y est égal à 1 sur 10 sur X, ce qui est la même chose que Y est égal à 1 sur 10X, ou encore Y est égal à 1 sur 10 fois 1 sur X. Donc Y est égal à une constante fois 1 sur X, ce qui veut dire que Y et X sont aussi inversement proportionnels. On continue. On a... 9 fois 1 sur m est égal à n. Et bien là, on n'a rien à faire. Enfin, peut-être que c'est plus clair pour toi si on intervertit les côtés, c'est-à-dire si on écrit n est égal à 9 fois 1 sur m. Là, on a n est égal à une constante fois 1 sur m, donc n est inversement proportionnel à m ce qui est la même chose que de dire que M est inversement proportionnel à N. Hein. Ensuite, on passe au dernier exemple qui est un peu différent, parce que les deux variables ont déjà été séparées, mais on a ce signe moins ici. Si on avait eu B est égal à un tiers fois A, alors on aurait pu dire que B et A étaient proportionnels. Mais là, on a un tiers moins A, ce qui veut dire que A et B ne sont ni proportionnels, ni inversement proportionnels. Alors, pour être bien sûr de ce qu'on a fait là, on va vérifier tout ça avec des tableaux de valeurs. Pour commencer, quand deux variables sont proportionnelles, ça veut dire que quand l'une varie, l'autre varie exactement de la même façon. Alors, dans notre tableau, avec m et n, nos deux variables ici, donc quand n vaut 1, m vaut 1 sur 7. Et quand n vaut 7, m vaut vaut 1. Donc quand on multiplie n par 7, ici on passe de 1 à 7, on multiplie n par 7, eh bien on multiplie m aussi par 7. Ou inversement d'ailleurs, on aurait pu exprimer n en fonction de m, mais on aurait obtenu la même conclusion. Quand on fait varier une variable, l'autre varie exactement de la même façon. Et ça c'est parce que ces deux variables sont proportionnelles. On va vérifier l'exemple suivant pour voir ce qu'il se passe quand les deux variables sont inversement proportionnelles. Alors, on a cette fois a et b, donc quand a vaut 1, b vaut moins 3. Maintenant, si on multiplie a par 3, a devient 3, 1 fois 3. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe pour b Eh bien, b vaut moins 3 fois 1 sur 3, donc... Moins 1. Et là, tu remarques, quand on a multiplié A par 3, eh bien, on divise B par 3. Ou si tu préfères, on multiplie B par 1 tiers. Et ça, c'est parce que A et B sont inversement proportionnels. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe quand les deux variables ne sont ni proportionnelles, ni inversement proportionnelles Eh bien, on va voir ça tout de suite. On a A et B. Donc, quand A vaut 1, qu'est-ce que B bien B, c'est 1 tiers moins 1, donc c'est 1 tiers moins 3 tiers, c'est moins 2 tiers. Maintenant, si on divise A par 3, ou si on multiplie A par 1 tiers, on a A qui devient 1 tiers. Et quand A vaut 1 tiers, combien vaut B Eh bien B vaut 1 tiers moins 1 tiers, donc 0. Donc si A et B étaient proportionnels quand on a multiplié A par un tiers ici, on aurait aussi dû multiplier B par un tiers, ce qui n'est évidemment pas le cas. Maintenant, si A et B étaient inversement proportionnels, quand on a multiplié A par un tiers, on aurait dû multiplier B par 3, ce qui n'est pas non plus le cas, ce qui veut dire que A et B ne sont ni proportionnels ni inversement proportionnels. A et B varient de façon différente. Voilà pour ça, je te retrouve dans la prochaine vidéo pour encore plus d'exercices sur la proportionnalité. À bientôt